Enfin, c'est l'été. Moi, j'attends ça toute l'année en vérité. Pas toi, Lulu? Non? Toi, tu préfères les pays froids, Lulu, c'est ça? Salut! Alors d'habitude dans Chronique Express, je parle plutôt des news à venir. Là pour cet épisode, on va changer un peu le format. Je vais plutôt vous raconter ce qui s'est passé ces dernières semaines, qui ont été très riches. Alors tout d'abord, on a fini la 10e saison de Star des Champs l'émission à la radio sur RDWA, de manière très rock'n'roll avec un super groupe de Grenoble qui s'appelle Kingpin et aussi avec les deux Ski. Et là c'était, comment vous dire, chaud. Donc à la rentrée pour la 11e saison de Star des Champs l'émission sur RDWA. Entre temps, ma tournée en solo s'est accélérée puisque les beaux jours arrivent et que les concerts se multiplient. L'ambiance est super bonne, les gens sont contents. J'ai l'impression de sortir à nouveau faire la fête après 2 ans d'abstinence, si je puis dire. Donc pour l'instant, c'est vraiment cool, quoi. Moi aussi, je suis content de retrouver la scène. À l'heure où je vous parle, il me reste encore une quarantaine de dates jusqu'au 20 septembre à peu près, et ensuite je prendrai quelques jours de vacances. En parallèle, comme l'album est sorti il y a quelques jours, j'ai fait une petite tournée des médias locaux et régionaux. D'ailleurs à ce sujet, merci à toutes les personnes qui m'ont donné la parole et qui m'ont permis de parler des chroniques mercuriennes. Si vous avez regardé les épisodes précédents de Chronique Express, vous savez que je travaille aussi avec mon pote Ludo, on travaille sur ses chansons. Et là, récemment, on a eu le temps de faire un petit clip live à la maison. Petit extrait. Je cherche ma place et je manque d'audace. Dans ma vie, nuit et jour, envie de briser la glace et comprendre ce qui se passe. Justement, puisqu'on parle de clip, avec les Toons, nous avons commencé à tourner notre nouveau clip sous la direction de notre ami David Arsac. Ça s'est passé dans un endroit absolument génial qui s'appelle L'Évasion, c'est dans la Drôme, à Châlons-Curson. Et au passage, je tiens à remercier encore une fois très chaleureusement Laurent et toute son équipe pour cet accueil incroyable. Nous tournerons la seconde partie du clip en septembre à Valence. D'ici là, je ne résiste pas à l'envie de vous diffuser quelques images très furtives, car évidemment, on n'a pas envie de trop spoiler. Ok, on vient de rentrer du tournage du clip. C'était juste énorme, c'était fou ces quelques jours, là, c'était incroyable. Donc merci à tous. Ça explique aussi pourquoi je suis maquillé comme une voiture volée, là, c'est pour ça. C'était incroyable. Donc je vais pas de tête comme ça remercier tout le monde parce que je vais en oublier forcément. Mais vraiment merci à tous, c'était énorme. Il y avait 2 dates extrêmement importantes pour les Toons au mois de juin. Tout d'abord le 18 juin, pour un gros concert organisé par la mairie de Bourg-les-Valence, qui au passage a fourni un énorme travail de communication, et on les remercie très chaleureusement également. Et évidemment, le 24 juin, toujours à Bourg-les-Valence, pour la sortie du nouvel album des Toons, Les Chroniques Mercuriennes. Il a fallu préparer tout ça, c'est-à-dire répéter pour le 18 juin, participer à la conférence de presse organisée par la mairie de Bourg-les-Valence, répéter pour le Festoons le 24 juin, la sortie de l'album, réceptionner les CD qui sont arrivés entre temps, bref, autant de choses que je vous laisse découvrir en images. Bien, je viens de recevoir un coup de fil de DHL et ben, j'ai l'impression que, bien que nous soyons le lundi de Pentecôte, les CD arrivent aujourd'hui, puisque le livreur vient de m'appeler, donc on va aller les chercher. Bon ben trop cool, c'est bien ça, voilà, ils sont là. Je vais les prendre et on va aller les ouvrir. C'est les premières images de la première répète. Grosse journée aujourd'hui puisque à 14h15, conférence de presse avec la mairie de Bourg-les-Valence pour le concert du 18 juin. Et ensuite à 15h, je trace à Vallon-Pont-d'Arc pour un concert solo.
Voilà, donc pas de répit, surtout qu'hier soir on s'est pas couché tôt puisqu'on avait donc on était dans Star des Champs l'émission à la radio et on a reçu les deux skis au ski et franchement c'était une soirée de dingue. Voilà, pas de répit, rock and roll, allez. Je vous le disais, la mairie de Bourg-les-Valence a mis le paquet en termes de com, et du coup, ça a donné ça. C'était fou, non? Et pour finir, petit retour sur la journée du 24 juin, la sortie de l'album. Franchement, c'était trop cool. Un grand merci à AS d'avoir ouvert la soirée. Merci à nos invités. Merci au public, bien sûr. Et bien sûr, un grand merci à tous les bénévoles de l'association La Belle Justine qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Voilà, c'était vraiment génial cette soirée, c'est passé trop vite. La seule petite frustration, c'est que nous reprendrons les concerts avec les Toons pour la tournée des Chroniques Mercuriennes, le Chronic Tour, uniquement à partir d'octobre-novembre. Donc, puisque entre-temps, il y aura ma tournée en solo, la tournée de Canel Winepeer aussi pour Pascal et François. Donc voilà, il faudra attendre le mois de novembre pour qu'on puisse à nouveau défendre les Chroniques Mercuriennes sur scène. Voilà, cela dit, après le concert du 24 juin, on a fini la soirée chez nos amis Émilie et Xavier à Refaire le Monde. D'ailleurs, je vous ai mis un petit extrait de la fin de soirée, comme ça vous pourrez découvrir de quoi parle un groupe de rock après un concert. En attendant, je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. Je vous retrouve très vite pour la suite des aventures. Évidemment, vive la musique et surtout, surtout, merci pour l'accueil génial que vous avez réservé aux Chroniques Mercuriennes. Allez, salut. Est-ce que c'est toujours le même? Je sais pas. Donc, les meilleurs. Mais j'y vais plus. Mais est-ce que tu as vu Émile Campagne? C'est qui? Le facteur. Ah ouais, il y avait Monsieur du Snob. Monsieur du Snob. Ouais. Qui est toujours en ligne, je crois d'ailleurs. Ouais. Parce que des fois, je vais voir sur Google ce qu'ils sont. Et qui? Le renard. Le cousin. Non, c'est pas lui. Son non. Oui, ça c'était Hippolyte. Hippolyte, ah ouais, Hippolyte le gentil. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Fin de soirée. Et n'oubliez.